Non ! Ça termine en crapin ! Coucou les truites, avant que la vidéo commence, je voulais vous dire que vous pouvez me soutenir au shop si vous voulez me faire gagner de la V-Buck Money. Pour ça, c'est très simple, tout en bas à droite, le bouton soutenir un créateur, vous écrivez mon pseudo. Merci à toutes les truites qui le font. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez fait, je vous laisse avec la vidéo. Et salut à toutes les truites et truitesses, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale avec au programme un record du monde sur un death run. On va ensemble voir un professionnel de death run réaliser un parcours archi compliqué en un temps record. Et on va voir un petit peu ensemble comment il s'y prend pour réaliser ce temps et quels sont un petit peu ses mouvements, ses astuces pour réussir les parcours. Je vous invite à me dire en commentaire si vous aussi vous êtes fort en death run. Donc faites-moi péter cet espace commentaire. Et si c'est le cas, ben ce que je vous invite à faire, c'est m'envoyer une vidéo où vous réalisez un death run avec un temps record. Alors si la vidéo dure une heure, c'est pas possible. Mais si vous réalisez un death run de 3 à 5 minutes, n'hésitez pas à m'envoyer ça par email. Vous avez l'email en description. Donc faites-moi péter les vidéos et peut-être que vous passerez dans la prochaine vidéo. Donc là, on va découvrir Suzeo qui a réalisé un temps de ouf sur un death run très très compliqué de 6 heures, je crois, si je dis pas de bêtises, un youtubeur. Donc ce qu'on va faire, on va pas perdre de temps. Juste avant, merci à toutes les truites qui ont fait péter le code créateur Cénor9 au shop. On a passé les 10 000 soutiens. Vous étiez presque 1000 hier à me soutenir. Plus précisément 794. Donc merci à tous. Je compte sur vous pour continuer à bombarder le code créateur Cénor9. Objectif 15 000. Dites-moi si l'objectif vous convient en commentaire. Ce qu'on va faire, c'est attaquer avec ce record du monde. Let's go. Et c'est parti, les amis. On est là. Il est parti. Le chrono est lancé, donc Suzeo, vous avez sa chaîne en description. Donc il s'agit d'un parcours de youtubeur très très technique. On fera des petites pauses de temps en temps, des petits retours en arrière, mais à la fin de la vidéo, vous aurez à nouveau la run complète, sans coupure. Cette fois-ci, on va voir un petit peu ensemble comment il se débrouille. Ben, ça m'a pas l'air très dur, hein. Sincèrement, là, je le regarde faire, c'est... What? Pourquoi il fait demi-tour? What? What? What the fuck? Attendez, attendez, j'ai pas compris ce passage. Donc là... Il prend le petit jump, il monte. Ah, c'est un, ça doit être un bait. De l'autre côté, ça doit être un prank, un piège. Ok, du coup, faut reprendre le saut, en fait, pour réaccéder au bon jump. C'est dur de faire d'une traite. Du coup, ça fait perdre un peu de temps. Oh ! Ah ouais, bah il a tellement un bon niveau qu'il peut... Wow, ah, c'était technique ce petit passage. L'entrée était fine. Dites-moi, tiens, en commentaire, est-ce que vous avez essayé le Death Run de Seasorks? Je sais pas, je pense que je prononce mal son pseudo. Je m'en excuse d'avance, mon petit Francis. Dites-moi si vous l'avez essayé et quel a été votre record. Et aussi, dans l'espace commentaire, est-ce que vous voulez que je vous crée un Death Run? Si on atteint 10 000 pouces bleus sur cette vidéo, je vous crée un Death Run en live et on essaiera de faire un délire de record du monde dessus. Bon là ce qu'il fait c'est très très propre. Ce que je vous propose, on revient un petit peu en arrière. Je vous ai dit, vous aurez la run en complète à la fin. Si jamais vous voulez la redécouvrir, là on est là pour analyser ça et voir un petit peu comment il se débrouille. Putain, ça c'est chaud. Oh, vous avez vu comment il tourne pour choper le truc? C'est propre. Je le faisais dans le Temple Run que j'avais tourné avec Farsou. Oh. Allez. Allez, putain, ça c'est chaud à faire. Est-ce que vous arrivez, vous, à faire ça? Moi, j'y arrive pas. Clairement, je suis une saucisse dans ça. Oh là là, c'est un coup à choper, hein. Ah, c'est technique. Ah, Willy. Waouh, mais c'est horrible. Et genre, si tu t'arrêtes, tu meurs ou pas? C'est la question que je me demande. Est-ce que si tu t'arrêtes, tu meurs? Je pense, hein. Quoique, si tu te places bien, il y a moyen de bien prendre. Oh là là, il t'enchaîne ça d'une traite. Magnifique. What? Really, nigga? Non, non, mais attendez. Faut qu'on revoie ça, c'est complètement n'importe quoi. Ouais, ok, tu vas assez vite, t'évites les pièges. Boum, tu reviens. Mais ça a l'air tellement facile quand tu le regardes faire! J'ai l'impression que tu le fais comme ça! Mais en fait, c'est trop... dur ce qu'il est en train de réaliser. C'est un perfect timing. C'est un perfect. Oh, non, il prend le rack. Wow. Ok, faut mettre les pièges. Ok. Oh my god. Mais t'as vu comment il a sauté le. Non, mais attendez, faut que je vous le remonte. Regarde, ça va être là, mon petit Francis. Regarde là. Au lieu d'aller en face, boum! Le raccourci. Mais. Comment tu fais? Enfin, comment tu fais? T'es un génie. Hop. Il va tellement vite que là, les pièges, pas besoin de les bait.
On enchaîne. Waouh, ici il saute sur le petit cut. Oh, il y a des pièges. Waouh, mais non. Mais c'est le cancer. Ok, ça c'est bien joué. Waouh. Propre. C'est un... Waouh, mais c'est fluide. Je me demande combien d'heures il a joué, combien de tentatives sur ce parcours il a dû faire pour réaliser le record du monde. Oh, c'est le GG. Oh, non. What the fuck. Alors, j'ai jamais vu le parcours avant. C'est une découverte en direct avec vous. Oh, non. Ça termine en crapin. Non. Non, c'est le cancer. Oh là 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 là. Mais c'est chaud. Il va où comme ça? Et t'atterris où? Non, pas sur ça. Mais non! Mais c'est pas possible, Germain. Est-ce que t'as vu comment il s'est placé sur le poteau? Mais what the fuck? Je suis obligé de revoir ça. Oh my... C'est ça. Mais t'es trop fort! Mais t'es vraiment trop fort! Dites-moi ce que vous en avez pensé dans l'espace. Commentaire, est-ce que vous êtes capable de faire mieux que lui? Si c'est le cas, bah, réalisez des défrains, peu importe celui de Nox, de Michou, de Doc Jazzy, de ma petite bouse ou d'autres créateurs et enregistrez-les. Envoyez-moi le rush et derrière, on repasse. Alors, je comprends toujours pas pourquoi il est passé à ce passage. Clairement, je le comprends pas. Il faudrait que j'essaye son défrain. Je rappelle, j'aurais peut-être dû dire 15 000, mais je pense que vous y arriverez pas. Du coup, je suis assez serein. 10 000 pouces bleus, je crée mon défrain. Et on se fait un record du monde tous ensemble à Team Truit dessus. Moi, je vais vous faire des gros gros bisous. Je vais vous laisser avec la fin de cette run magnifique. Je rappelle la chaîne de Souezou en description. Je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo.